Précédemment, dans Arena Swap saison 2. Allez, si je, refais un kill, je mettrai un compteur de kill. J'ai du lapis lazuli si tu veux. Ça va, garde-le. C'est pour les enchantes, c'est bien. Ah bah non, on est enfin en point. Non, point 7. Putain, mais maintenant, c'est ça qui me fait chier, je suis perdu, moi. Bah moi non plus. J'ai pas pensé à ça, moi. Ah bah voilà. On a été TP ensemble. C'est vrai, t'es où? Attends, on est dans le même bloc. Attends, bouge plus. Vite, mets un bloc devant toi. Mets un bloc devant toi. Mec, on est dans le nether. On s'en balaye. You safe pony, il est là-bas. Safe pony, ouais, voilà, c'est lui qui est mort, j'en étais sûr. Putain, c'est encore Wolf qui a pris le kill. C'est l'épisode 3. Tranquille. Ouais. On est swap, cool. Et on est dans le nether. Et ça lag. Et je vais tout de suite enlever, mes shaders. Parce que c'est vrai que dans le nether finalement je vois rien. Hop, t'es où? Bah je suis là. Ok, on part dans quelle direction? Par où tu veux? Je sais pas du tout, faudrait vraiment qu'on arrive à est-ce sortir. Est-ce que tu veux qu'on descende? Parce que là je crois que les, ouais, les mobs on est vachement. Mais est-ce que tu veux vraiment qu'on tempe? Parce que en fait le problème c'est que si on tempe les underpearl et tout ça, enfin je veux dire les popos, si on tente les magma crime, vaut mieux qu'on attende le TP dans 10 minutes. Enfin, je sais pas comment on peut faire ça. Ouais, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que les plays vont nous retirer des vies. Bah oui, c'est ça le problème aussi. Bah, on faut qu'on retrouve le portail. On cherche. Voilà, attention. De toute façon, y'a pas Friendly Fire, je crois. On cherche. Si, y'a du Friendly Fire. Ok, on cherche. J'ai tapé tout à l'heure. Ah ouais. Ouais. J'ai éclairé là. Y'a quoi dans cette direction là? Je sors dehors juste pour voir. Oh putain, j'ai failli tomber. Mais attends, ici on pourrait bouger là. Attends, je viens avec toi. Faudrait pas croiser une team quoi. Souci de TP, erreur TP, c'est quoi le souci? Ils sont restés au spawn. Alors fais gaffe, ne marche pas dans les flammes. Ouais, attends-moi. Où est-ce qu'ils auraient pu faire leur portail, ces autistes? Et tu vois de l'autre côté. Y'a quoi dans le coin? Y'a rien pour le moment. Moi je cherche le portail, faut qu'on retourne dans l'overworld. Ouais. Je vais monter là-haut. Là-bas y'a l'entrée de la forteresse, est-ce qu'on va dedans ou pas? Bah je sais pas, parce que je crois qu'on va être focus si on va dedans, parce qu'on va se prendre obligatoirement des dégâts vu notre kill légendaire. Ouais, attends je t'ai perdu. Attends, je cherche où est le portail, je vais prendre un peu de hauteur. Surtout ne tape aucun pigman. Ouais ouais t'inquiète, je connais ça. Je vois pas le portail. Alors, ou alors ils sont malins, ils ont planqué le portail. On le retrouvera pas. Parce que je suis en phare personnellement. De toute façon, on y sera soit pas prêt. Mais faudrait les faire chier. Attends. Je vois un mec. En bas, y'a un mec. T'es sûr? Ils sont deux. On les tente ou pas? C'est chaud hein. C'est qui? C'est, je crois, c'est Gros Lapin et. Et Corto? Ouais. Oh putain, mec. On se casse. Bah non, pas par là en tout cas. Ouais, on sneak. Sneak. Tu me suis? Je les ai même pas vus. Ils sont dans quelle direction? Viens, on s'enferme. Ils étaient en bas, mais je crois qu'ils m'ont vu. Mais le problème c'est que s'ils sont en sneak aussi, faut qu'on regarde bien derrière nous et tout. Faudrait qu'on s'enferme là-dedans. Et pense bien à bien spam click. T'as plus tes shaders j'espère? Ouais. Viens avec moi. On n'est pas des peureux les gens, mais moi j'ai même pas vu les pseudos en fait. J'ai pas vu non plus, du coup j'ai peur qu'on se fasse défoncer. On va essayer de miner en descendant et de redescendre. C'est bon, j'ai vu les pseudos, ils sont juste à côté de nous. C'est vrai. Là. Voilà, attention. Juste au-dessus de nous. Oh merde. Attends, t'es sûr que tu veux pas qu'on les tente? Attends, c'est qui c'est? C'est les bleus. Les bleus. Gros lapin, Corto. Ils sont forts. Attends, ils sont pas séparés là? Ils sont séparés. Ils sont en sneak. Vas-y, mets-toi à l'autre bout. Mets-toi à l'autre bout du tunnel. Faut qu'on soit éloigné si jamais ils arrivent. Ils sont juste à côté de nous. Mais alors, quand je te dis juste à côté, ils sont juste là. Ouais, mais ils sont séparés. T'es sûr, tu veux qu'on les tente? Attends, je sais pas, ils sont séparés là. J'en vois un qui est juste à côté de nous. Mais genre juste là. Genre, il vient juste nous passer à côté du cul. Ouais. Ils bougent juste à côté de nous. Il joue le deuxième. Surtout des sneaks, surtout pas. Ouais. Et ils sont à moitié séparés en fait. Ils m'ont vu. Hein.
Ils sont montés. Ah là, ils se sont remis ensemble. Là, ils se sont remis ensemble. Faut attendre qu'ils se séparent et en prendre un de travers. Putain, il faut flipper là. J'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Il arrive, il est là, il est là. Faut l'autre, je le vois plus. Je vois plus l'autre. Tu veux qu'on les tente ou pas? Bah, dès qu'ils sont séparés, en fait, faut qu'on s'en fasse un. Là, je peux en tenter un direct là. Attends, ils sont trop proches. Ils sont proches. Là, je les suis. Ouais. Faut attendre qu'ils se séparent. On n'est pas des mauviettes, mais on a peur d'eux parce que Corto, il est très très bon au PVP. Ouais, faut attendre qu'ils soient séparés. Attends, ils sont trop proches là. Je sais pas ce qu'ils peuvent dire sur. Oh, ils sont juste ensemble. Juste à côté de nous et juste ensemble. Ouais. Ah, attends. Ils vont se prendre des dégâts peut-être. Oh oui, oh, oui. Ouais. Faut qu'on se les chope un par un. Putain, ça va être hard. Eh, ils sont en train de se casser loin, est-ce qu'on part dans une autre direction? Attends. 40. Attends, faut qu'on regarde bien s'ils se prennent pas des dégâts dans les gueules. Et ce... Attends, faut que je regarde s'ils sont en train de se casser ou pas. Ils sont en train de se casser, je vois leur pseudo au loin. Tu veux qu'on parte dans une autre direction? Bah ouais. Faut savoir qu'on aura le gaz dans la gueule. Ils vont putain, j'aime pas ils le nether. Ouais, ils vont entendre, le... si on se prend le gaz, on va l'entendre. Putain, et c'est chiant, c'est qu'ils s'étaient pas assez séparés pour les focus là. Bon, tu veux qu'on fasse quoi? Attends, je regarde ce qu'ils font. Il y en a qui s'est sneak. Moi, je les vois plus du tout là. Moi, j'en vois un qui s'est sneak. Hey, tu t'es pas des sneaks, j'espère. Non, jamais. Parce que là, ils viennent de se sneak. Ils sont vers où? Ils étaient loin, mais j'espère qu'ils nous ont pas cramé. Oh là là. Je me suis pas dit sneak. Putain, le stress quoi. Ouais. Alors, on n'est pas des mauviettes, les gens, mais faut comprendre qu'on n'a pas encore un stuff assez, on va dire, suffisant. Et on va dire qu'on préfère avoir peur d'eux, même si Cordo Gogo a perdu 38 de... a perdu un cœur, Corto, il a perdu. Ouais, et je les connais pas du tout, moi, leur niveau. Moi je sais que Corto Gogo a l'arc, on oublie, hein, déjà. Ouais, mais là, putain, il faudrait vraiment qu'on s'en fasse un. Qu'on s'en fasse un. Ouais. Après, dans l'arène, le problème, c'est qu'on va se faire focus dans l'arène, c'est ça le souci aussi. Ouais, mais là, Corto Gogo, il a 38 de vie. Là, déjà, le prochain qu'il faut qu'on focus dans la ville, c'est Ulysse. Ulysse, on est dit tout. Un des deux de l'équipe vert clair, bleu clair. Enfin, pas bleu clair clair, mais bleu clair bizarre. Ce qu'il faut, c'est que je sais pas comment faire, mais au moment du swap, qu'on se sépare loin pour faire chier les deux. Parce qu'ils seront dans le nether et ils seront séparés. Ouais, mais non. Là, on n'a pas la possibilité. Le problème, c'est que je sais pas où ils sont. Ouais. Et je peux pas regarder mon inventaire. Non. Ah, est-ce que tu veux qu'on sorte discrètement ou on part par en bas, on mine des blocs, on creuse en dessous de nous? J'ai peur qu'en fait ils sachent qu'on se soit sneak, qu'ils soient partis loin, qu'ils se soient sneak et soient revenus juste à côté en sneak. Tu penses qu'ils seraient assez malins pour ça? Bah, on sait jamais. J'avoue. Putain, c'est con à dire, mais c'est stressant, je veux. Pas du tout où est-ce qu'ils sont partis. Putain. Bon, on va pas passer tout l'épisode, donc tu veux qu'on se casse par en bas? Allez, mine des blocs discrètement par en bas. Et si j'en vois un qui se désneak, je te le dis tout de suite, t'arrêtes. Ouais. Enfin, même si c'est pas moi le mieux pour voir ça. Wow, le stress. Et fais attention de pas tomber bêtement. Et désneak, toi pas, tu sautes en sneak. Ouais. Pour sauter. Je les ai vus, ils sont vraiment passés juste à côté de nous, quoi. Puis non mais là, c'était... c'était un bloc de nous, quoi. Allez. C'était épique. C'est genre les grosses mauviettes qui se sont planquées dans leur coin, on est désolé les amis. On tentera le PVP dès l'épisode 4, on sortira dehors, on se fera des teams à deux, mais... Regarde autour si tu vois pas des trucs, des pseudos. Non, je vois rien pour le moment. En fait, fallait les suivre, parce qu'une fois qu'ils sont loin, tu t'en rends pas compte à travers les textures, mais... Je descends en minant. Ah, oh, mais oui. Là, c'est merde. Quoi? Ulysse et Naughty 2, ils ont des pommes d'or, ils sont à 44 à 43 en vie. Oh putain. Maintenant, faut qu'on focus Alikias. Oh merde, là, il y a un gros trou. Ok, bah... Attention, on remonte un petit peu, je vais partir dans cette direction. Bon, on a l'avantage que dans 1 minute... Entre... Oh putain, on a encore 8 minutes avant d'être TP, enfin, dans les 8 minutes, quoi. Ah. Ouais. Voilà, bon, on aura évité le combat pour ce 3ème épisode, c'est juste pour vous fournir plus de contenu. Bon, Alikias, faut vraiment le focus dans l'arène. Ouais, mais... Ça serait séparé un petit peu plus longtemps, on est un peu plus loin. En fait, je sais pas si dans l'arène, le fait qu'on soit tous les deux ensemble, c'est bien. Putain, Into Fire. Attends, Alika, ils dans le sont nether. Tous dans le nether, mais tous ouais. Alika, c'est dans le nether, putain, faut qu'on le tue. Non, mais il est pas tout seul, Alika, hein. Ah, si. Oh oh. Et tu pouvais pas être un peu plus discret? C'est bon. Tu te sens pas en danger, Alika?
tire sur qui là? Aïe. Alikas, il est à 20 de vie. Sur qui il tire là? Je sais pas. Des gens qui sont pas loin. Ah, c'est bien, t'as rebouché. Ouais. On s'éloigne. Attends, en là, fait, je me demande si dans l'arène, le fait qu'on soit tous les deux réunis, ça aide à grand chose. Bah, on peut plus taper la même personne tous les deux. Ouais, mais. On peut se défendre, tu vois. Attends là, est-ce que il continuait de tirer juste parce que il me focusait encore alors que j'étais caché, ou alors est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Ouais, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, ouais. J'ai peur là. J'ai déjà trouvé le titre de l'épisode, moi. Il tire sur qui là? C'est pas nous là, ça peut pas être nous. Y'a des gens qui sont juste à côté de nous. T'es sûr? Ouais, je vois des pseudos. Quelle couleur? Corto Gogo, c'est eux. Oh putain! On bouge plus! On stick! Fais plus de bruit. À mon avis, il cherche les caisses. Putain, mais nous en fait, on voulait pas aller dans le Nether! Non. Pourquoi cette sentence? Attends, j'en vois deux là, je vois des pseudos. Tu vas voir qu'on va être TP avec Corto Gogo, on va se retrouver encore dans le Nether. Eux, ils vont être TP ici. Ils vont se retrouver juste à côté. Ça va être le gros fight. Je sais pas comment ça se passe, le TP. C'est chaud. Ouais. Bon, vous voyez, hein, cet environnement aura duré déjà une moitié d'épisode. Oui. Mais bon, on peut pas tenter le fight, en fait. Bah on n'a pas encore le stuff nécessaire, ni l'envie, ni le courage, en fait. J'ai le doigt qui est sur le sneak, qui fait mal, tu vois. Mais moi aussi. Attends, Corto Gogo, je le vois, il est tout seul. Il vient de se sneaker. Corto, 37, le gros lapin, 40. Alikas, 20. Ouais. Pourquoi Corco était tout seul, là? Je sais pas. Bon, par contre, M5 et Beatle, ils tiennent bien. Ça va pas du tout, ça. Pib et Black, ils s'en prennent plein la gueule. Comme d'habitude, hein. Je vais voir. Ils arriveront jamais avec toute leur vie au, au grand fin. Ah putain, attends. Là, ce qu'il faut, c'est... faudrait qu'on essaye de choper Corto à... Mais en fait, le problème, moi, ce qui me stoppe pour faire du PVP, c'est que j'ai pas de bottines. Donc, ouais. Ils ont toujours une protection de plus que moi. Mm. Puisque j'ai un casque en trop. Tiens, tu veux le casque? Garde. T'as froid à la tête? Voilà, bref. Attends. Là, je sais pas quoi faire, en fait. Je sais pas ce qu'on mais oui, peut moi faire non pour plus. Se sortir de cette situation. Oh là, Corto Gogo, vite, faut qu'on le tente. 7 de vie, 7 de vie. C'est vrai? Oui. Oh, viens, 7 de vie. Viens, on y va. On les tente? Ouais, viens, on y va. Desnique-toi pas, si. Si, desnique-toi. Non, on le desnique pas. Il est parti par où? Attention Il y a que les dégâts de chute qui peuvent lui en retirer autant de vie d'un coup. Ouais, il a dû tomber de super haut. Il y a pas de gaz dans le coin là? Si. Il est juste là, le ghast. Le ghast? Ouais. C'est pas... Bon, attends, est-ce que tu veux qu'on se desnique ou pas? Attends, hein. faut pas aller au ghast. Il est où, Corto? Putain, on est vraiment stupide, mais... C'est rigolo, mais... Tu me suis... Bon, allez, faut qu'on sorte une blague, là, t'as pas une blague ici? Tu veux une blague de cul? Je sais pas, est-ce que tu veux? Si tu veux, je t'en raconte une proute, voilà. Ah! Voilà. Faut qu'on déstresse l'atmosphère, là. Attends, y'a personne... le ghast, il est où, là? Il est par là-bas. Il est où, Corto? Je veux aller... Faudrait qu'on se barre en courant, au pire, le temps... On court le temps du swap. Putain, j'ai beau être en phare, j'aurais dû installer un petit fan, il me fout en extrême. Attends, parce que là, où est-ce qu'il peut être, Corto? Il était pas loin. À la base, ouais, mais... Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redescend plus bas? Est-ce que tu veux qu'on fasse quoi? Bah, j'ai envie qu'on bouge. Attends, j'ai cru voir un... C'est un pseudo que j'ai vu? Non, c'était toi. Je sais pas. J'ai bien envie qu'on bute Corto Gogo, là. Bah, moi aussi. J'ai bien envie qu'on bute le gros lapin en même temps. Ouais. Et s'ils arrivent à nous défoncer tous les deux, bah je pleure. En vidéo, pour la première fois. Voilà. Putain, vous imaginez pas ce que c'est stressant, les amis. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il est. Y'a que des dégâts de chute qui peuvent faire autre chose. Attends, à ton tour de raconter une blague. J'ai pas de blague. Moi j'ai envie qu'on se barre, tu sais, qu'on. Monsieur, barre, madame, on monsieur, madame. N'importe quoi, donc vaut mieux qu'on se barre. Ok, comme tu veux qu'on se désnique? Bah... oui, de toute façon... Ok, vas-y, allez, pour détendre, je peux faire. Monsieur et Madame Aymar ont un fils, comment s'appelle-t-il? Tu me suis, là? Ouais, je te suis. Alors, t'as toujours pas trouvé? Aymar ont un fils? Ouais. Jean. Voilà, parce que j'en ai marre. Voilà, ouah. Hop. Bon, le but de cette blague était d'être nul, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais.
Attends, je sens que ça va être le gros fight. Attention, là il y a le gaz, faut pas qu'il nous voie. Faut pas vraiment descendre, pas vraiment descendre. Par là. Par la pioche. Oula. Quoi? Je vais pas me faire niquer là. Attends, je creuse un chemin ici. Bon, au pire, on va bientôt être TP aléatoirement YOLO. Donc au pire, on va foutre des gens dans la merde. Allez, on est heureux. Allez, si. Vas-y, on se sépare. T'es sérieux? Bah, comme ça, ils seront pas TP à côté. Ouais, non, mais non. Tu veux pas? C'est pas. Non, dans le, tu m'aurais dit dans l'Overworld, j'aurais dit ok, mais dans le Nether, non. Ok. Je suis pas contre. Hein. Voilà. Oh putain. Je suis dans la forteresse, Ouais, il y a un coffre. C'est-à-dire qu'ils ont été swap pas loin de nous. Briquet. Ils savent qu'on a été swap ici. Ils savent qu'on a été swap ici. Putain, on est toujours dans le Nether, merde. Putain. Bon, allez, vas-y. Au pire, on va au PVP. Attends. Par là-bas. Putain, avec. Ouais. À ton avis, on a été swap avec qui? Attends, on a 4 minutes avant l'arène. On peut. Attention, il y a un bébé zombie. Ah non, oui, il peut pas nous taper. L'arène dans 4 minutes. Ok, j'ai un briquet. Faut qu'on se sneak et qu'il nous voie pas. Tu peux foutre la merde dans l'arène si tu veux. On a le droit au briquet dans l'arène? Je sais pas. Parce que sinon, je fous la merde dans l'arène. Moi, je fous tout le monde en flamme. Là, ce qui me fait peur, c'est qu'ils savent où on est. Attends, on était où nous? On était là-bas là. Putain, l'épisode du stress.com. Ouais, grave. Mais c'est trop bien, je m'éclate moi. Il faut. Est-ce que attends, y a Corto Gogo ou Nautitou qui peut être spam à la fin? Bon, par contre, faut absolument qu'on trouve, je sais pas, un moyen de sortir d'ici. Y a pas un moyen de retourner dans l'Overworld? Tiens, attends, viens par là. Ouais, mais prions pour qu'il y ait pas de blaze. Moi, je sors de la forteresse. Vas-y, je te suis. C'est pas la bonne direction. Ah bon? Attends, par là. Ils ont dû trouver de l'or, ces enfoirés. Pire, on bouge derrière nous avec la stone, la brique. Putain, là, c'est stressant parce que dans l'arène, je vais direct que moi, je te suis plus. Hein. Je spam Corto Gogo. Hein. Attends, va vas-y, monte et que je rebouche. Je suis d'accord, c'est pute, les amis, mais je vais spam Corto Gogo comme un gros porc. Hein. Attends, deux secondes. C'est de... Par contre, j'ai bientôt ma pioche de défoncer. Moi, j'en ai pas une autre, si. J'en ai une autre. Voilà, oh là, c'est tendu du string. On est où là? Ah, c'est bon, il y a un nouvel endroit où on peut aller. Je rebouge pas ici. J'entends pas quand je pose les blocs. Ça fait pas le bruit de quand je pose. Ok, il y a deux coffres non explorés. Vas-y, trois coffres. Tu les as pris? Trois coffres non explorés. Il n'y a pas d'or dedans. Je vois la sortie de la forteresse. Je vois le ghast de tout à l'heure. Il y avait un Wither. Il y avait un Wither Skeleton. Ah bah me fous des blocs dès que tu vois un Wither Skeleton, tu vois, cette logique là. Il y a une épée en fer, ouais non, en pire non. Une selle, si on trouve un cheval, est-ce que je la prends? Comme tu veux. Tiens, attends. J'entends un Nether Skelet. Une selle en toujours armure. Penser à repousser derrière toi, y'a pas un trou qui est ici? On avance par là. Tu veux? Y'a rien ici, ah non, ici ça a découvert. Si, c'est en Dax là. Pas où on peut aller? Je sais pas, on a un petit gaz des familles par là-bas. Est-ce qu'on descend ici? Comme tu veux. Et on se casse. Et après on sera re-TP encore dans le Nether après, putain. Mais oui, non, mais c'est interminable! Putain. Pourquoi ils ont pas désactivé le Nether pendant la saison 1? Non, c'est. Bon, au pire, mec, après le TP, on va se promener. Oh non, le mieux, ça serait qu'on se promène tout de suite. Voilà, on se casse maintenant et comme allez, ça... Allez, vas-y, après... allez, hop, on bouge. Merde, y'a un cast. Je me casse. Viens avec moi. Tu me suis? Ouais. Vite, pète. Rebouche. Ouais, vite, Netherrack. Hop, voilà, c'est bon. Par contre, t'as beaucoup de pioches ou pas? J'en ai encore. J'ai au pire, j'ai table de craft et tout le bordel. Mais dans 47 secondes, on va être TP. Dans 47 secondes, je m'occupe plus de toi. Hein. Je m'occupe que de Corto Gogo. Ouais. Ou de Nautitou. Tiens, hop, putain, faudrait qu'on essaie de glitcher. Qu'on bute les deux en même temps. Mais bon. Allez, on va tenter le deuxième kill de cette série parce que faut pas déconner non plus. Voilà. on veut être l'équipe du swag. Ouais. L'équipe du skill. Vas-y, continue de miner pour le moment. Dans 30 secondes, on est TP. Je suis chaud pour faire un kill là. Ouais, non mais t'inquiète pas, moi tu vois Corto Gogo, il a aucune chance.
C'est fini. Je vais le spammer, mais dès la fin des 15 secondes. Quoi. Tout le monde va s'acheter sur eux, en fait. C'est pour ça qu'on aura une autre zone. Ouais. Mais après, on va réapparaître là comme des cons. Mais oui. Bah oui. Attention. 2. Ok. J'ai pas TTP. Ah, ouais. C'est bon, j'ai TTP. Il est où, Corto? Tout le monde est sur Naughty 2, putain. Voilà, ça va se fight. Ah, je me casse. Tout le monde est sur lui, putain. C'est bon, ah, voilà. Corto est mort. Il s'est fait tuer direct, quoi. Oh putain. Oh putain, mais c'est triste, hein, mais il s'est fait tuer direct. Oui, c'est tellement ça. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que ce troisième épisode, absolument stressant et absolument pute. Au début de l'épisode, puisqu'on ne se sera même pas montré, c'est vrai que c'est pute, mais bon. Ouais. On a été obligé, au moins ça nous aura permis de survivre. Là, on va essayer de se promener dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Ouais. Allez, bisous, bisous, à bientôt. Bisous, hein. Ouais.